Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui sera le quatrième épisode de mon Let's Play Crusader Kings 3 avec donc le duc de Toulouse qui a atteint l'âge de 26 ans, donc on en a peut-être encore pour un bout de temps avec lui. Pourquoi pas? De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, on est en guerre contre le duc de Barcelone. Et ça se passe plutôt pas mal. On a remporté une première bataille. On m'a dit dans les commentaires d'attaquer là le duc de Barcelone dans les montagnes des Pyrénées. Je suis pas tout à fait pour. On va le laisser là où il est. On va à la rigueur commencer un siège sur son allié. Est-ce qu'on peut faire des paix séparées là? Non, je crois pas. Non, non. Si je fais, on va commencer un siège donc sur, je sais pas trop où pour l'instant. On va aller, voilà, il est sorti de la montagne et maintenant on va pouvoir aller l'affronter, je pense. Alors, on va aller l'affronter. On va pas faire le siège. Donc là c'est plutôt en colline. On va voir où on va pouvoir le rencontrer. Ce qui serait bien, c'est que notre allié vienne nous aider pendant le combat, mais ça, évidemment. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché. Ah, ok, pourquoi pas. Vous apprenez le secret sodomie du comte Arnaud. Je crois qu'on va aller ailleurs. On va essayer. Ah, non, c'est pas ça, pardon. Hop. On va aller sur le au roi de France. Comté, tâche de maître espion, cherche. Okay. Comté de l'Île-de-France, non, c'est pas ça que je voulais. Il est où le roi? Ah, il est plutôt là, là. Baronnie de Paris. Ouais, ici. On ne sait jamais si on pouvait avoir un hameçon sur lui. Je m'en suis pas servi pour l'instant, honnêtement, je sais pas encore trop ce qu'on va pouvoir en faire, mais on verra. Je pense qu'en cas par exemple de tentative d'assassinat, ça pourrait être intéressant. On va l'avoir là ou pas? Ouais, je suis pas sûr. Hein. Blablabla. Il arrive le 30 novembre. Alors on va se le faire. Tout le monde y va, ouais, c'est bon. Je rêve où je l'ai vu sortir son épée là. Il est motivé là. C'est bon, il fuira plus. Et nos alliés arrivent, donc ça c'est victoire assurée. Là, du coup, c'est un peu la fin de la guerre. Stop, 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 stop. J'ai emprisonné. Bon, le bourgmestre, on s'en fout un peu. Alors, il a plus d'armée du tout. Il a plus d'armée, hein. D'accord. Donc, s'il a plus d'armée, on va aller faire le siège là-bas. Je vais laisser le comte là faire ce qu'il veut. Voilà, c'était mieux de le prendre en plaine qu'en montagne, je pense. On a perdu quasiment aucune troupe, donc honnêtement, je crois que c'était le bon choix. Et maintenant, il va s'agir de faire ce siège. Alors évidemment, j'ai pas encore acheté les onagres là, mais je vais les acheter. Hein. J'ai vu que, oh là, avec trois hommes, il va pas faire le siège très longtemps. Ici, on va acheter. On peut les acheter maintenant. Non, je commence à être un peu limite question thune, mais ça, on m'a dit que c'était rapide pour, c'était, ça améliorait grandement les sièges, donc je le ferai pour ma prochaine guerre. Il faut que j'ai ça. Mais bon, là, j'avais pas, j'étais hésitant, c'est vrai. Je pensais ne pas avoir trop les moyens. En fait, on est pas trop mal question argent, donc statu quo. Ah, il a amélioré sa martialité, le comte Tacfred. Votre vassal et chevalier.
Lui, c'est une tuerie, il a 19. Et du coup. Il a 9, hein. C'est pas, il est pas super fort. Alors sinon, si je regarde là, lui. Elle, pardon. Est-ce qu'on pourrait pas la prendre en. Éduquer un enfant. Ouais, voilà, on va l'éduquer. Ok. J'espère que mon héritier va. J'espère qu'on va bientôt avoir un héritier 26 ans, sérieux. Toujours pas d'héritière, d'héritier. Bon, 27 et 26, on est, c'est pas désespéré, mais honnêtement, ça commence à, le temps commence à passer. 30 d'opinion envers vous. Oula, ça carbure. Pour le mariage, on va attendre un petit peu. On pourra peut-être essayer de lui faire un mariage intéressant. Ce que je voulais voir, c'était ces histoires de prisonniers là. En fait, la question que je me posais, et j'ai pas la réponse, c'était où sont la liste de mes prisonniers? Prisonniers, ah, c'est cool. Alors, j'ai un bourgmestre, puis sinon, j'ai des chevaliers. On va attendre avant de les libérer. Je pense qu'on va les libérer une fois la guerre finie, parce que sinon, ils risquent de rejoindre une armée potentielle, bon, qui va avoir du mal à sortir de terre là, puisque j'ai quand même, je suis en train d'occuper deux de ces forts déjà. Progression du siège plus 5, c'est cool. La relation de Denise avec Bertrand a été dévoilée par Denise. Et c'est qui? Seigneur Lige, duché d'Anjou. Bon, on s'en fout, ça. Je sais pas quel est l'intérêt. Trois troupes. Là, ils en ont 78. Ça sert pas à faire un siège. Ça suffit pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à craindre là-dessus. Alors, mon maréchal me parle d'une recrue prometteuse. Huck n'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre camp. Antagoniste, antagoniste génuflecteur. Chaste, généreux, vindicatif. Il a 10, c'est pas énorme, je trouve, mais. Combattant des forêts. Ok. Du coup, si je le mets là, je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Très bien. Il est à ma cour et. Lui, il était où déjà? Lui, il était fort. Hein. Mais il veut toujours pas venir. Je crois qu'il viendra jamais. Donc, on va arrêter de le suivre. Par contre, lui. Alors, il m'aime pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon, c'est pas un drame. Mais ce que je pourrais essayer, c'est peut-être. Militaire, mercenaire. Vassaux, succession. Non, je cherche quelque chose de sérieux. Ah, ici. Il est où là? C'est lui? Ah, c'est lui. Il a 23 quand même. Non, c'est pas lui. Hugues de Cayeux. Ah, c'est en prouesse. C'est le stade de prouesse qui nous montre. Je pensais que c'était les martiales, mais. Et du coup, en prouesse, finalement. Il est pas mal. D'accord. Recruté à la cour. 3 en prouesse, c'est assez minable. Par contre, c'est vrai que c'est un bon maître espion, lui. Même par rapport à mon compte, là. Mais ce qu'il y a, c'est que mon compte, je peux pas trop le virer parce que si je veux que les gens soient heureux,
dans mon duché. Il faut que je donne des responsabilités à mes comptes. Alors, j'ai débloqué un nouveau niveau de développement personnel, on va dire. Et on va continuer sur augmenter le développement comptable. Ouais, on va prendre ça. Vos pupilles peuvent obtenir des aptitudes supplémentaires. Pour l'instant, on va mettre culture planifiée, augmenter le développement comptable 20%. Et le développement, par exemple, on va regarder sur Toulouse, ça va être notre exemple numéro 1. Donc croissance de développement, là on est à 2 sur 100. Et est-ce qu'on a... peut-être attendre un peu avant que ça apparaisse. Voilà. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché pour Monseigneur le roi Lige. Ouh. Il est la personne derrière une tentative de meurtre infructueuse. Oh, pas mal ça. Je sais pas encore à quoi ça va nous servir, tous ces hameçons là, mais... On commence à en avoir pas mal. On verra. Ah, ils ont réussi un siège avant nous. Ils ont eu peut-être plus de chance que nous, ou alors ils étaient sur un fort moins défendu, mais... Ouais, c'est presque fini, du coup ça va finir la guerre une fois qu'on aura obtenu ça. Puisque le score de guerre sera, à mon avis, largement suffisant. Ok, 100%. Ah donc, on va obtenir le comté de Gérone et tout ce qui va avec, l'évêché, la cité de Gérone. 20 de gloire. Ok. Plus un peu pour mes alliés. Ok. À l'insensible Berna, que votre vie soit brève et misérable. Oh bah, c'est sûr. Ah, ça c'est cool. Ok, donc on va disperser tout. On va revenir à un revenu franchement raisonnable. Et par contre, on est au-delà de notre limite pour le domaine. Donc on va peut-être donner tout simplement Perpignan. Hein. On va pas s'embêter. Par contre, il faudrait que je trouve quelqu'un de capable. Lui en l'occurrence. Ah, lui il est pas mal. Hein. C'est lui que j'avais vu tout à l'heure. Il est pas si mal que ça finalement. Je pourrais même le moment venu en faire un comte. Un maître espion, pardon. Alors, accorder les titres. Alors, ceci dit, est-ce que. Comte des Besses, Fouché de Toulouse. Il y a lui aussi mon demi-frère. Faudrait que je donne des choses. Elle a pas de revendications, je crois pas. Ah si, elle a pas mal de revendications, mais tout ça, c'est à l'intérieur de notre. Ah non, c'est Adélaïde du Poitou. Non, non, elle a des revendications, elle. Ça m'intéresse. Lui, il est où actuellement? Comment on fait pour voir où il est? Il est là? Ah, c'est là, il est sans terre. Mon demi-frère, il est là, d'accord. On va le faire venir dans notre royaume, du coup. On va récupérer Adélaïde de Poitou chez nous. Membre de votre famille et de votre dynastie, ok. J'espère, comment on fait pour savoir le type de mariage? J'ai un petit doute sur le type de mariage. Vassal puissant, membre de votre famille. Mode de vie. Ah, je sais pas comment on voit le type de mariage. Ça m'embête. Il doit y avoir moyen de le voir, un mariage. Ça c'est ballot, ça c'est ballot. Bon, c'est peut-être pas très grave. Je ferai attention quand je ferai. Prochaine fois que je signerai un mariage matrilinéaire, de voir si les icônes sont les mêmes un peu partout. En tout cas, lui, on va le faire venir. Et j'espère qu'on va récupérer. Normalement, on devrait récupérer des revendications là.
Alors, autre. Ah, je peux pas lui donner de territoire comme ça, là. Autre, dénoncer. Invité à la cour. Déjà, il va venir. Alors, on va. Peut-être qu'il va me donner une réponse. Ah! Ma duchesse est enfin enceinte. Ça, c'est pas trop tôt, je dois dire. Alors, lui, il est là. Non, il n'a pas répondu encore. Ah, il est là. Du coup, maintenant, on voit sa localisation, c'est Toulouse. Accorder des titres. On va lui accorder le comté de Gérone. À mon avis, c'est quand même un comté relativement puissant parce qu'il y a des propriétés attachées avec. Donc, il pourra me remercier. Ok. Il pourra me remercier. Et surtout, ce que je vais voir, alors lui, même toujours pas. Ce que je pourrais faire, c'est. Ah, il n'est pas marié, alors on va lui trouver une femme déjà, mais surtout on va l'influencer. Le comte Garcia. C'est bon, il m'aime, on est limite, mais on va se contenter d'un chiffre un petit peu positif. Il est plus important que l'autre se mette à m'aimer. Alors du coup maintenant mon demi-frère là, il va m'aimer. Sa femme beaucoup moins déjà, mais c'est pas grave. Mais ce que je voulais voir par exemple, c'est si je pouvais pas faire la guerre pour le comte de Poitiers. Le comté de Poitiers, ok. Ah non, je peux pas parce que pour l'instant on va être en trêve avec lui. Quel genre de revendication elle a sinon? Poitou, Saintonge. Saintonge. Duc d'Aquitaine. Ouh, ça va être un gros morceau. Ouais, je peux pas. Vous n'avez pas de casus belli contre le duc Ranulf. Pourquoi je peux pas alors que j'ai quelqu'un chez moi qui a une revendication? Il aurait peut-être fallu qu'elle soit comtesse. Pourtant, c'est une revendication solide. Duché d'Aquitaine. Il aurait peut-être fallu ouais, qu'elle soit comtesse. Bon, c'est pas très grave. Je m'attendais pas à des miracles non plus, mais c'est quand même étrange parce que l'autre j'ai pu. Est-ce qu'il y a autre chose? Comté de Haunis. Du Cranuf. Déclarer la guerre. Non, je peux vraiment pas. Demander une revendication. On va pas faire ça. Bon. Je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'avec en la faisant venir chez moi, j'aurais ce que je voulais. C'est pas le cas, bizarrement. Bon. C'est pas très grave. Je voulais marier celui-là. Trouver un conjoint. Est-ce qu'il y a des gens votre demi-sœur? Non. On va pas faire trouver un conjoint, on va faire arranger un mariage. Non, d'accord, c'est ça, c'est trouver un conjoint. Donc là, normalement, on voit tous les gens autour de nous, pas seulement sur notre cour. Les alliances, on s'en fout. Est-ce qu'on peut trouver par revendication? Solide toute. Il n'y en a aucune. Il peut se marier avec personne. C'est vrai qu'il n'est pas grand-chose, hein. Il a une maison, certes, mais il n'a pas de terre, je pense. Maison de Cailleux. Dynastie obscure. Et c'est lui le propre chef de sa maison, en plus. Donc,
Alors, on va essayer de lui trouver quelqu'un avec des aptitudes, mais c'est pareil, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, hein. On pourrait peut-être faire venir celle-là. À la cour du comte Hervé de Boulogne. Ok, c'est parti. Histoire de faire venir quelqu'un chez nous qui a le statut vif. Le pays perdra des terres à la mort de certains vassaux. Oui, alors tout ça, c'est parce que ceux-là n'ont toujours pas eu d'enfants, je pense. Si. Alors, ça m'intéresse. Votre vassale, la comtesse de Bertha, détient les titres qui sont hérités par des dirigeants qui ne sont pas vos vassaux. Principal héritier. Constantia de Toulouse. Bah si, c'est bon. Ah bah ça a changé là tout d'un coup. Il vient de naître peut-être. 2 ans. Non mais c'est bon. Je sais pas pourquoi c'était pas à jour. Vous pouvez déclarer des guerres. Contre lui. C'est qui lui? Et pourquoi je peux lui faire les revendications du comte de Garcia? Donc ça, c'est pour faire du comte de Garcia un duc. On a vu que ça m'intéressait pas, c'est clair. Lui, elle, c'est encore elle. Ouais, mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle a? Changer l'objectif. Soit je peux récupérer le comté d'Anjou. Soit le comté de Saumur, mais je pense qu'on est encore en trêve, honnêtement. Non, on n'est plus en trêve. Par contre, ils ont deux alliés. Est-ce qu'on peut refaire une autre guerre à la rigueur? Ça me dit bien. Ok, déclarer la guerre. Les revendications. Continuer. Alors, équivalent. Puissance militaire des alliés de l'attaquant 959. Moi j'ai 832. Et lui il a deux alliés maintenant. Ouais, ça c'est chaud quoi. Il a 1200 plus lui-même. Il doit avoir 800 du coup. 800, ouais. Non, il est devenu un peu trop gros là tout d'un coup. Donc on va attendre, désolé. Et lui, guerre sainte, on va s'en passer. Ok, j'accepte votre proposition de mariage. Votre courtisan Hugues et ma connaissance Amélie seront unis par le mariage. Ok, excellent, peu importe. Fabriquer une revendication. Ouais, alors. Le comte d'Angoulême voisin est à la fois riche et prospère. J'ai pas trop envie. Angoulême, j'ai pas trop envie. Si je fais une revendication, ce serait plutôt sur un duché que j'ai déjà commencé. Ah si, l'Aquitaine, j'ai déjà commencé, ceci dit. Angoulême. Si, Angoulême, peut-être. Non, Périgord. On va faire sur le Périgord plutôt. Ce sera une grosse guerre quand même. On verra. J'aurai les moyens. Ouais, j'ai assez d'argent. Là, on va peut-être plutôt passer. Non, on va continuer ça. Maintenance des hommes d'armes et 6,33% de chance d'améliorer ou de trouver un commandant. Pourquoi pas? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, on va pouvoir accélérer maintenant là. J'espère qu'il va bientôt nous aimer, celui-là. Salutations, mon sensible seigneur Lige. J'ai découvert que le contrat hérité du comte de Jordan l'oblige à donner plus que vous avez perçu. Ah. Où est-ce qu'on voit déjà le contrat féodal? C'est là.
Contrat féodal. Il est anormal, il faudrait, il passera à élevé. Je suis pas sûr qu'il apprécie à sa juste valeur. Ceci dit, il m'aime, alors si il m'aime, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'il m'aime un peu moins, mais l'important est qu'on va se faire un peu plus d'argent. Ok, j'ai pas trop envie de passer à la vitesse supérieure. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché par le bourgmestre. Sa façon d'obtenir est révoltante. Ok, donc on va continuer. Il est toujours à la cour du roi de France. Hein, ouais. Tandis que je lutte pour déchiffrer les minuscules lettres du rouleau devant moi, j'ai de nouveau des migraines. 300 points d'expérience, obtient un hameçon faible, on va éviter ça. Okay. I will finish 2 secondes, ok? Je vais m'arrêter là. Si, si, mais si. Je vais m'arrêter là. On va prendre. On va pas payer parce qu'il me faut de l'argent. On va plutôt prendre l'hameçon faible, tant pis. Ce qui compte, c'est que je remplis la moitié du niveau là. Ah, un tournoi retardé. En tant que duc, je me devais assister à un tournoi de joute locale, mais les participants ont été retardés et le tournoi ne commencera pas avant au moins 1 heure. C'est qui lui? Comte Eudes d'Anjou. D'accord, il est pas, c'est pas un de mes vassaux, ça, bizarrement. Je suis sûr que quelqu'un qui sait quelque chose. Vous découvrez un secret dans le pays. Ouais, on va découvrir le secret. Je sais pas si c'est immédiat. Sans doute que non. Bon, on verra. Peut-être qu'on le découvrira plus tard, le secret. Pourtant, c'était 100% de chance, donc j'ai l'impression qu'on l'a pas eu ce secret, mais c'est pas grave. Je vais Ou alors on n'a pas été mis au courant. C'est quoi ça? Pourquoi c'est là ça? Ah non, j'ai. D'accord. Ok, je vais vous laisser là. On a gagné un comté. J'espère que l'épisode prochain, on pourra en gagner un autre. Je vais espérer aussi avoir un héritier. Je sais pas depuis combien de temps elle est enceinte là. On n'a pas le nombre de mois ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. J'espère qu'on aura un héritier. Génie. Ah, c'est parti. On va savoir juste avant d'arrêter la vidéo. Je sais pas si on le sait tout de suite d'ailleurs. On va voir. Puissiez-vous devenir fort sage, mon fils? Ok. Donc nous voilà avec un héritier qui est intelligent. C'est pas mal déjà. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Bon. Ce qu'il y a, c'est que il va pas nous falloir plus d'héritiers que ça. Donc ça va être maintenant assez rapidement, j'imagine, mis à jour. Voilà, c'est l'héritier de tous mes titres. Ce qu'il y a, c'est que maintenant qu'on est en partition confédérée, si j'ai un autre héritier, je perdrai des titres de duc. Donc je pense qu'il va falloir peut-être zigouiller ma femme. C'est triste à dire, mais le divorce sera jamais accepté, évidemment. Mais je pense qu'il va falloir l'assassiner. J'ai quelques doutes, mais on verra au prochain épisode. En prendre une plus vieille, entre guillemets, qui ne me fera pas d'enfant. Pour avoir un seul héritier et ne pas perdre mes titres. C'est un peu risqué parce que si mon héritier meurt, ça risque de mal tourner. Mais je vois pas comment. Ou alors on assassine nos autres fils si on en a d'autres. Ouais, je sais pas. Ça peut être tout aussi compliqué, puis le résultat est le même de toute façon. Je sais pas comment faire honnêtement. Soit on se débarrasse de notre femme, soit on élimine nos héritiers. J'ai quelques doutes. Ah merde, j'avais oublié ça. Ah, y a des gens qui croupissent en prison depuis je sais pas combien de temps. Ok, on les fera sortir prochain épisode. Je vous laisse pour l'instant. Je vous remercie de me suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez cette série. En tout cas, partagez la vidéo, aimez-la si c'est le cas, et vous pouvez me retrouver évidemment sur tous mes let's play. Et je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la suite de ce let's play.